Bonjour, je suis Salma Qassar Ben Slema, je suis consultante en orientation scolaire et professionnelle. Alors, un projet d'études, c'est la route qu'on trace pour construire son projet professionnel. Donc cette route, elle prend en considération le cursus, le diplôme, les spécialités qu'on souhaite poursuivre et les universités. Quand est-ce qu'on commence à préparer son projet d'études le plus tôt possible, réellement? Il faut que la réflexion prenne du temps. Un seul mot d'ordre, c'est anticiper. Alors, la première étape pour la construction du projet d'études, c'est d'abord, elle doit passer par la réflexion sur son projet professionnel. Chna wa l'hibnam dans quelques années. Chna wa le métier que je voudrais réaliser. Où est-ce que je me vois? Quelle est la carrière que j'envisage de poursuivre? Qbal man khamem al qraya. D'abord, chna wa le métier que je veux faire plus tard. Ensuite, je commence à me renseigner, comme deuxième étape, sur les études. Le cursus que je dois réaliser pour poursuivre, pour réaliser mon projet professionnel. Donc, d'abord, regardez un peu les diplômes, le type d'université, le type de formation. Et quand je rentre, une fois que j'ai toutes ces informations-là, je commence à rentrer sur le site des formations et je commence à avoir un maximum d'informations. Première chose, le contenu du programme, les modules, les matières. Est-ce que ce sont des matières finalement qui m'intéressent, qui correspondent à ce que je me faisais comme idée de la formation? Ensuite, étape très importante, c'est les conditions d'admission ou les prérequis. Qu'est-ce qu'il me faut? Chant les amis. Concrètement, je postule pour cette formation-là. En niveau de français, niveau d'anglais, en niveau scientifique, en niveau général, qu'est-ce qu'il faut? Et là, il faut vraiment s'approfondir et rentrer sur le site de chaque formation. Chaque formation, chaque établissement va avoir ses propres critères de sélection. Donc là, c'est très 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 important. Ça fait aussi partie de la construction du projet, de voir finalement si certaines universités vont être peut-être plus exigeantes que d'autres, de voir qu'est-ce qui me correspond. Qu'est-ce qui correspond à mon profil et à mes compétences? Ça, c'est très important. Donc, c'est bien beau d'avoir une motivation, mais il faut aussi avoir les compétences et les capacités qui vont avec. Donc, ça, c'est très, très important. Ensuite, moi, c'est une étape qui paraît très importante, c'est se renseigner sur les débouchés. Qu'est-ce que je peux faire après cette formation en termes de poursuite d'études et en termes de projet professionnel? Ça, c'est très important parce qu'il faut qu'on voit, qu'on va pouvoir réaliser vraiment si finalement la formation que j'ai choisie correspond bien à mes attentes et à mon projet professionnel. Ensuite, je commence à m'approfondir sur les calendriers. Comment je vais postuler? Où les calendriers? Où les plateformes? En fonction de mon diplôme d'origine, quelles sont les plateformes auxquelles je peux postuler? Ça peut être Campus France, ça peut être Parcoursup, ça peut être directement auprès des établissements, ça peut être des procédures en parallèle ou ce qu'on appelle des doubles procédures. Donc il y a un panel finalement de procédures et de calendriers et ça aussi, ça fait partie de la construction du projet d'études. Où je vais postuler et comment je postule et quand? Ça, c'est très très important. Oui, un bon niveau de français est absolument nécessaire. Exigé clairement par tous les établissements, que ce soit avec une exigence de test ou pas. Mais un bon niveau de français est de plus en plus exigé puisque finalement on réalise qu'il y a un fort taux d'échec des étudiants qui partent en France, majoritairement dû à un faible niveau de français. Donc un bon niveau de français est très important. Donc, quel est mon niveau? Clairement. Donc je conseille de passer des tests de français d'abord pour voir quel est mon niveau et si vraiment mon niveau est insuffisant, là vraiment je conseille de suivre des cours de français. Il y en a partout, il y en a au centre de langue de l'Institut français, il y en a dans les alliances françaises, il y en a dans des instituts privés, il y en a un peu partout. Donc l'idée, et c'est pour ça que c'est très important de commencer à anticiper son projet d'études, parce que si on n'a pas le bon niveau, clairement il faudrait commencer à déjà nous approfondir dans les langues. C'est d'ailleurs pareil pour l'anglais. Certains établissements, même s'ils sont en France, vont demander des tests d'anglais. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a les fameux programmes Taught in English, donc totalement enseignés en anglais, ou partiellement enseignés en anglais. Du coup, il va y avoir une exigence non seulement du test de français, mais aussi du test d'anglais. Et pareil, si on n'a pas le bon niveau d'anglais qui est exigé, il faudrait clairement suivre des cours d'anglais et évidemment des cours de français. Pour trouver les informations qu'il faut pour construire votre projet d'études, il y a un seul moyen, Internet, clairement. D'accord? Première chose,
d'abord aller sur les différents sites. Alors ça peut être les sites des ambassades, donc ça, vous pouvez aller sur le site de l'ambassade de France. Après, moi je vous invite aussi à aller sur les forums des étudiants, sur les pages Facebook, sur les pages physiques aussi, des pages Facebook aussi des institutions. Mais vous pouvez aller aussi sur les différents réseaux alumni des anciens étudiants. C'est assez intéressant d'avoir des informations directement auprès des étudiants, aussi auprès des enseignants. Vous pouvez aussi trouver des informations directement sur le site des universités. Il y a assez souvent des vidéos où un enseignant parle de sa formation et c'est assez intéressant. Donc je vous invite vraiment à aller voir toutes les vidéos et toutes les informations qui existent aussi sur les sites des établissements. Le projet d'études en France ou à l'étranger en général, c'est vraiment un projet à aborder avec minutie et comme un vrai projet qui va déterminer notre avenir. Donc, ça demande de la réflexion, ça demande de l'anticipation, ça demande une grande préparation. Cela permettra réellement d'éviter les grandes erreurs d'orientation qu'on voit un petit peu autour de nous. Donc, à vous de choisir, à vous de jouer.